Salut tout le monde, c'est Superfo. On se retrouve sur le PC pour un petit tuto pour vous montrer comment craquer Action mais release. J'avais fait la vidéo précédente mais il y a du monde qui me disait que ça marchait pas, donc du coup là, je refais la vidéo en vous montrant que ça marchait pas bien. Donc il y aura les deux liens dans la description, Action mais release et WinRAR qu'il faut télécharger parce que c'est un dossier rare. Donc vous téléchargez, vous allez avoir un dossier comme ça, donc WinRAR. Vous faites extraire ici le dossier, ici, ça va le voir comme ça, ça va être un dossier comme ça, vous le voyez. Vous allez ici sur Action EXE, vous faites que celui-là, vous le mettez pas sur le bureau, sinon ça va bugger, c'est des risques que ça bug. Vous cliquez dessus, vous faites oui, et vous allez voir en principe, ça va s'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre. Donc, en fait, je vais vous montrer comment ça marche. Si, bien, voilà, donc c'est bien marqué 365 joueurs d'essai, mais en principe il est gratuit, il est craqué. Donc pour bien commencer sur Action mais release, format du fichier, vous faites AVI, vous le laissez comme ça. Par défaut, dimension de la vidéo, je vous conseille 720p. Image par seconde, vous le laissez en 60. Donc voilà, donc comme vous avez vu ici, c'est pour les jeux vidéo sur console. Là, c'est pour enregistrer l'écran actif. Là, c'est une zone de bureau, en fait, c'est pour agrandir la zone autour. Donc voilà, là, c'est les paramètres du son, c'est pour enregistrer votre voix et tout. Ici, c'est pour je ne sais pas quoi encore, je connais pas tout. Là, c'est pour faire les captures d'images, comme voilà, vous connaissez un peu tout, miniature, genre, tout comme ça. Et ici c'est pour les paramètres, tous les paramètres quand ça veut être vidéo, le webcam, le son. Donc là après vous choisissez le son, moi je marque microphone, c'est la caméra, le son de la caméra, haut-parleur, voilà où il y a plusieurs choses. Ici c'est ça. En vrai il y a raccourci au clavier. Donc juste ici vous faites, si je vais faire... Attendez, je regarde dans cette salle. Bon, ça vous pouvez laisser l'option. Non, en principe c'est le bon choix. Non, c'est ici. Voilà, c'est ça que je voulais avoir. Soit vous faites ne pas enregistrer, toujours enregistrer. Et je vous conseille toujours enregistrer. Ouais, vous pouvez. Ouais, soit vous cochez ou vous décochez. Donc voilà, après je peux vous montrer que ça filme vraiment. Voilà, là c'est toi. Ça doit enregistrer, je pense, l'avant en même temps. Donc, du coup, voilà. J'espère que ce tuto vous a vraiment aidé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut!